Bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui avec la pêche, la patate et la banane pour un face commentary. Puisque j'ai remarqué que vous aimiez, plutôt que je fasse un simple commentaire, vous entendez ma voix, vous aimiez voir aussi ma gestuelle, ma face de chauve. Et bien écoutez, moi c'est avec plaisir, hein. Si vous êtes heureux, ben moi je suis heureux puisque ça se ressent dans vos commentaires, ça se ressent aussi dans les j'aime, ça, voilà, ça crée une bonne ambiance. Ben écoutez, moi je suis là pour faire des vidéos qui vous plaisent, et quand ça vous plaît, ben ça me donne du plaisir à faire des vidéos. Et donc voilà, ben écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit commentaire en domination sur Modern Warfare 3 sur la même mission, en compagnie d'une partie de la Rage, à savoir Monsieur Rashkit, Doggy Dogs, MacJazz, Neomega et moi-même. Donc vous verrez d'ici peu que les pseudos ont changé, hein. Les membres de la team n'ont pas changé, mais on a un peu accordé nos violons, mais vous le verrez dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai tout ça. Donc je vais commencer la partie avec la M4A1 avec silencieux, avec tour de passe-passe, détermination et tireur d'élite. Donc là j'étais sans killstreak, je jouais en spécialiste, je voulais tenter une mob. Et vous verrez que ben je vais changer et de tactique, et je vais bien faire de changer de tactique, voilà. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu d'autre chose, puisque je retiens un petit peu aussi ce que vous me dites. Le gameplay, vous allez voir, il va se dérouler tranquillement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires, de commander autre chose. On va parler un petit peu d'autres choses. Voilà, donc au moment où je vous parle, je suis quasiment à 20k. Ça va pas si je vais à droite, à gauche, vous avez pu me voir. J'ai pas trop l'habitude, excusez-moi, dans les premières vidéos, ça va pas être évident, hein, surtout si je commence à faire des live face commentary. Donc là, je ne suis pas en live, hein, je commente mon gameplay. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je dis face commentary, oui, face comme le cucu, comme les fesses. C'est un jeu de mots, hein, au lieu de dire face, voilà, vu que j'ai de toute façon une prononciation anglaise un peu merdique, j'ai voulu me foutre de moi-même en disant face commentary, voilà, donc un petit jeu de mots. Il y en a qui l'avaient compris, mais il y en a qui n'avaient pas compris. Donc vous voyez qu'au début, bon, c'est pas trop mal, j'enchaîne, mais je me fais tuer. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, je vais changer et je vais switcher, on verra ça tout à l'heure. Donc voilà. Bah écoutez, sinon moi déjà pour vous dire que bah, la Team Raid, ça tourne plutôt fort, plutôt super bien. Je suis super content et on prend vraiment beaucoup de plaisir. Je suis vraiment très content et fier de mon recrutement. Ça commence à parler de nous dans mes vidéos. Attention, hein, on n'est pas une team de PGM, on est juste une team que j'ai essayé de regrouper des mecs qui s'entendent bien, qui jouent correctement, qui jouent ensemble, où l'esprit est bon et mature. Et ben écoutez, l'alchimie a l'air de plutôt pas mal marcher. Voilà. Donc, mais j'ai vu que beaucoup nous demandaient des vidéos et autres, etc. Il y en a qui demandaient des chaînes et tout. Je pense que ce serait trop prétentieux de commencer une chaîne ou... Enfin voilà, ça serait pas forcément... Vous voyez, là, je switch sur l'ACR. C'est ma classe avec les gros killstreaks. C'est quand je sens qu'il est possible de faire un petit massacre. Maintenant, j'essaye, puisqu'avant, je ne le faisais jamais. Je jouais sans killstreak. Et bien là, j'ai mis le Reaper, la C-130 et le mitrailleur de spray. Donc là, je vous laisse avec le petit visuel, vous allez voir, ça a plutôt bien marché pour moi, plutôt bien fonctionné. Voilà. Donc, faire une chaîne, il y en a qui me l'ont proposé. Je pense que pour le moment, on n'aurait pas suffisamment de public. Enfin, je sais pas, si je me trompe, bah, dites-moi-le dans les commentaires. Je sais que je vais essayer de faire des lives dès que je peux avec la team pour vous les présenter, puisque je sais que vous aimez bien. Je remarque aussi quand même que vous aimez bien ce concept d'avoir une team, une bande de potes, puisque... Ben, ils me l'ont tous dit, ils reçoivent des messages d'invitation, ils reçoivent des petits messages sur YouTube, eux aussi, qu'alors certains ne sont pas YouTubeurs, d'encouragement et de félicitations, etc. Donc ils sont plutôt bien, super bien accueillis par mes abonnés, et je voudrais vous en remercier pour eux, voilà, vous en remercier beaucoup. Dites-moi s'il y a vraiment des projets que vous voudriez voir avec la Team Rage, ben écoutez, pourquoi pas. À vous de me dire ce que vous attendez de la team, ou si vous en foutez, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, parlez-moi-en, mais en tout cas, sachez que bah, nous, on s'entend très très bien et ça tourne super bien pour le moment. Et si ça peut continuer comme ça, bah, j'en serais super ravi. Voilà, donc la deuxième chose que je voulais vous parler, donc la vidéo au moment où je la fais, on est presque au 20k. Sachez que bah, si vous voulez accélérer, faites tourner la vidéo comme vous le voulez, hein, j'oblige à rien, hein, les 20k, ils arriveront quand ils arriveront. Sachez juste que eh bien, mes deux vidéos spéciales 20k sont déjà prêtes. À savoir un montage sur Modern Warfare 3. Alors c'est des kills qui datent, hein, déjà.
puisque mes kills les plus récents et les plus beaux seront dans un tritage qui arrivera d'ici quelques, je sais pas, quelques mois ou quelques semaines, on verra. Voilà. Donc, mais là c'est un petit montage histoire de montrer quelques petites belles actions. Alors je vous dis, il y a vraiment des kills qui datent de très longtemps, c'est-à-dire depuis la sortie de Modern Warfare 3. Voilà, mais lui il est prêt, et ainsi qu'une vidéo concours où, comme je l'ai annoncé sur mon Twitter, hein, pour ceux qui me suivent maintenant, sachez que je tweete énormément, je vous invite à checker la description, à me suivre sur Twitter, ou alors sur ma page Facebook, et non mon compte. Donc ma page et mon Twitter, parce que je parle beaucoup de choses, je vous tiens au courant de ce que je fais, vie réelle aussi, irréelle, etc., de mes prochaines vidéos, voilà. Donc vraiment, si vous voulez être au courant de tout, je vous invite à rejoindre, tout est dans la description, voilà. Maintenant, de quoi j'étais en train de vous parler avant de partir sur Twitter et tout ça, de ma vidéo 20K qui est prête et où j'avais annoncé sur Twitter que tout le monde gagnerait, tous les participants gagneraient un lot. Bah sachez qu'elle est prête. Elle est prête à être upload ainsi que le montage, donc j'attends juste d'avoir sur ma chaîne, de voir 2000 ou 2001, etc. Et dès que c'est bon, bah je lance l'upload et vous aurez ces deux petites vidéos. Voilà. Maintenant, deuxième petite chose, est-ce que une vidéo comparative de Matnet vous intéresserait? Alors, je fais pas des vidéos comparatives comme il y a déjà pu avoir lieu. C'est juste qu'on me l'a proposé et je me suis dit, ben pourquoi pas. Étant donné que je voulais faire une vidéo sur chaque manette, ben pourquoi pas les comparer tant qu'à faire. Voilà, enfin, de toute façon, il était prévu que je vous présente une manette de mon partenaire, m'a offert, donc mon partenaire Rapidfire, une manette customisée, hein, vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, là, avec mon petit HK, là, c'est des étuis de cartouches pour les boutons, voilà. Et la fameuse manette, pour ceux qui connaissent, Scuf Gaming, voilà. Alors, je vous informe tout de suite. Moi je prône pas du tout le cheat ou autre ou quoi ou caisse, hein. Sur Rapidfire, et il en existe des tonnes de sites, il est possible de mettre un Rapidfire dessus, et ça je suis totalement contre. Moi ce que je vais vous parler des manettes, c'est des options qui sont autorisées en compétition et qui sont pas cheatées, qui sont voilà, qui améliorent juste votre tenue de manette. Mais en aucun cas qui améliore votre gameplay en faisant tirer votre sniper 3-4 cartouches en une balle. Enfin, pas des trucs comme ça, c'est totalement débile parce que si vous commencez ça, je vois pas l'intérêt de jouer. Je vois pas l'intérêt de jouer avec un Rapid Fire ou autre, enfin je comprends pas ce concept. Bon, voilà. Donc moi c'est purement le custom de manette pour faire joli, pour faire beau, ainsi que quelques accessoires autorisés en compétition qui vous permettent d'avoir une meilleure tenue en main de la manette. Donc voilà, la Scuf Gaming également, hein, comme je vous le montrais avec les palettes. Les stop gâchettes, simplement ça stoppe votre gâchette au lieu de la pousser jusqu'au bout. Voilà, mais c'est totalement autorisé en compétition. A savoir que mon partenaire va réussir à reproduire exactement la même que la Scuf Gaming, mais vous pensez bien qu'il n'a pas le droit de copier, avec d'autres possibilités. Vous verrez par la suite peut-être la possibilité de mettre vos logos, vos gamer tags, de mettre les palettes pareil, etc., etc. Donc je vais vous faire un comparatif. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas que je vous présente tout ça. Alors je sais qu'il y en a qui ont été voir. Je sais que sur le site les manettes sont chères. Faut savoir que c'est du custom. C'est vrai que c'est très cher. Et moi j'ai vu avec lui, j'ai dit, écoute, j'ai beaucoup de jeunes, très jeunes, qui n'ont pas les moyens. Ce serait bien de sortir une manette un peu comme la Scuf, mais avec que seulement les trucs de base, c'est-à-dire pas de trucs superflu où ça rajoute des euros à la manette. Donc je vais essayer avec lui d'avoir un prix le plus attractif possible pour vous. Voilà, sachant que ça aura quand même un coût, mais essayez de rester dans la limite du raisonnable. Voilà, donc dites-moi si un tel comparatif vous intéresse. Ben, mettez un commentaire dans la vidéo, likez le premier commentaire de la personne qui aura mis « Oui, je suis intéressé par un comparatif de ta manette custom contre la manette Scuf Gaming », etc. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, tapez sur internet ce que c'est Scuf. Voilà, Sandy Ravey, je l'avais présenté dans sa dernière vidéo. Voilà, bah on va repartir un petit peu sur le gameplay. Vous voyez qu'à ce moment-là, j'ai mon deuxième Reaper, si je me trompe pas. Hein. J'ai eu mon Osprey, j'ai eu mon AC-130, j'ai eu mon Reaper. Et on le voit pas, mais le gameplay va bientôt toucher à sa fin. Et j'étais aussi en possibilité de faire une MOAB. Donc là, j'essaie de gérer avec mon équipe. On l'a fait exprès d'avoir deux positions de perdu, hein, clairement. Parce que je leur ai dit, écoutez, essayez de me faire gagner un petit peu de temps. Je fais un beau petit massacre. Et c'est vrai que sur mission, quand vous avez des killstreaks comme ça, c'est vraiment un pur bonheur. Voilà, il y a tellement de fumée que je voyais même pas où je tire. Vous voyez qu'à nouveau, je vais débloquer mon AC-130. Il me reste plus grand chose. On est à 185 à 118.
Là je leur ai dit ne sécurisez rien, laissez-les. Donc là je vais essayer de refaire un kill pour débloquer mon AC-130. C'est fait, deuxième AC-130. Donc là je me suis dit qu'est-ce que je fais, je l'envoie, je l'envoie pas. Je me suis dit allez non, j'en kill encore un, encore un autre. Donc là vraiment je savais pas s'il fallait que je tente la mob, s'il fallait que j'augmente mon score. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire les deux. Là j'ai eu très chaud. Mais là je savais pas quoi faire. Là je me suis dit non, je tente la mob. Tant pis, il reste quelques secondes. Et puis là je vois qu'il y en a 192. Je me dis ah la mob c'est fini, c'est mort. Vite, je vais essayer de faire le plus gros score possible. Je vais essayer d'envoyer tous mes killstreaks. De toute façon là toute mon équipe m'en dit écoute ta mob c'est fini. Je débloque mon mitrailleur d'Osprey. Donc deux d'affilée. Et là la partie se termine sur un score de 63-8. Ainsi que la team pareil hein, des 44-15, Doggy Dog, la petite killcam. Donc malheureusement j'ai pas fait la mob. Pour info ça m'a compté sur Xbox une série de 32. Et pourtant je n'ai pas fait 32 kills à l'arme, mais ça m'a compté les killstreaks avec. Donc j'ai fait une série de 32. Mais je fais de plus en plus de séries de 18 commentaires. Pourquoi dit, il m'en manquait. Et bien parce que au lieu de commenter tout 6, simplement 7, vous entendez que ma voix c'est vrai que j'avais des terminations. Je ne sais plus dit, enfin, bref, que 6, vous kiffiez voir en même temps mon image, mes réactions. Comment voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Je cale juste ce petit gameplay sympathique. Et là vous avez vu, c'est une série texte moderne. Je sais que c'est pas l'arme. Et non moderne enfin 3. Et là une petite triple au Predator qui débloque mon arrière. Simplement chercher où les ennemis sont et vous verrez, je vais envoyer mon arrière. Sachant que j'ai joué un petit aparté pour la Semtex que j'adorais tellement sur Modern Warfare 2. Franchement, c'était ma grenade préférée. Et quand on voit sur Modern Warfare 3 ce qu'ils nous ont fait, c'est vraiment un gros score, un bon score. Quand vous faites des triples à la Semtex, vous êtes un PGM sur Modern Warfare 3. Je me suis dit un petit gameplay en attendant les Malinka, ça vous fera plaisir. Écoutez, c'était Hypno. J'espère que les petits fesses commentaires vont faire des lasers également. Portez-vous bien. Même si j'en ai fait quelques-uns, c'était plus des lives un peu bizarres.